L'équipe de la SEC Mimosa réussira-t-elle à hisser à nouveau le drapeau ivoirien sur le toit continental? Après plusieurs années de disette, les jaunes et noirs sont en demi-finale de la Coupe de la Confédération. La phase aller est prévue pour le 10 mai prochain. Ce match face à l'USM Alger est très attendu par les amoureux du ballon rond. Ces derniers donnent leurs avis sur l'avenir de la SEC Mimosa dans la compétition. Lorsque quelqu'un, un joueur qui commence à évoluer, apprend de l'ampleur, l'objectif essentiel, pas pour le conserver, pour remporter les championnats de la SEC, que ce soit au niveau national ou bien au niveau international. Mais l'objectif de la SEC, c'est de pouvoir vendre ses plus produits à l'international. Donc pour moi, c'est un miracle. Donc à cette défaite finale-là, je ne crois pas grande chose que la SEC puisse faire pour pouvoir aller en phase finale. La SEC peut remporter parce que pour cette saison, elles nous ont montré vraiment de véritables actions. Ils ont des jeunes enfants qui sont vraiment conscients. Je pense qu'ils peuvent remporter. Je pense qu'ils peuvent remporter. Parce qu'ils ont acquis la maturité. Je pense qu'ils peuvent remporter la demi-finale et même prendre la coupe. Je pense que, bon, je ne suis pas ton adapte du foot, hein, mais j'ai ma petite expérience. Bon, je sais que la SEC, voilà, a ses fortes chances vraiment de prouver ce qu'elle veut sur le terrain. Voilà, donc on peut compter sur la SEC en fait. Avec les remarques que nous avons eues à faire, nous pensons que la SEC a la capacité d'aller jusqu'en finale et voire même remporter, pourquoi pas. Voilà, nous croyons à la fédération de Côte d'Ivoire, nous croyons à notre club, la SEC, qui est revenu en pleine forme. Et donc, avec ce que nous avons vu, avec les remarques déjà faites, nous pensons que la SEC a la capacité d'arriver jusqu'en finale et va même remporter. Je pense que sur la volonté, les enfants peuvent aller un peu très loin parce qu'au fait, l'esprit est déjà là. Je pense qu'ils sont déjà motivés. Et on peut dire, entre guillemets, c'est le club le plus structuré au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que le président, s'il met les moyens et essaie de galvaniser encore les enfants, je pense que vraiment, ils pourront nous faire vivre encore l'espoir qu'il y a eu en 95. Donc je pense que vraiment, ils ont toutes les chances de pouvoir aller même au-delà de la finale et remporter cette coupe-là. Je pense qu'ils ont assez de chances pour pouvoir se qualifier. Parce que leur parcours était vraiment exemplaire. On ne peut que les supporter, vous voyez un peu. Voilà, donc en tout cas, je suis très motivé. En tout cas, je leur donne toute ma bénédiction, comme on le dit. Et je pense que ça sera une finale. Et ils vont revenir avec la coupe. Bon, en tout cas, cette année, ils sont bien partis sur tous les plans. Techniquement, physiquement, mentalement, ils sont prêts. Donc, pourquoi pas, ils ont les chances. Ils ont plus de chances même d'aller en finale et remporter. En tout cas, présentement, la SEC est un peu en forme. Parce qu'avec les nouveaux joueurs, qui sont plus compétents, je sais qu'on peut aller de l'avant et on veut aller du coup. Le football, c'est un jeu qui est très compliqué et qui peut changer à la fois. La SEC peut remporter, oui, la SEC peut remporter parce que la SEC est une équipe. Si la SEC s'est battue pour être en demi-finale, c'est que la SEC peut remporter la Coupe de la Confédération.